Alors juste avant de commencer, petite dédicace à Fabien, petite dédicace et aussi petite dédicace à Zwax GFX. C'est compliqué à dire, mais enfin bon, en tout cas, petite dédicace. Salut tout le monde, aujourd'hui on simple on joue à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer avec les coffres d'argent, c'est moi qui vous le dis, attention, qu'est-ce que ça donne? Oh, 57 d'or, bah c'est tout pourri, non c'est bon, moi tu sais quoi, j'abandonne, allez salut tout le monde. Non, ça va, 57 d'or, ça va, c'est raisonnable, donc une mousquetaire, oui pourquoi pas, on commence, on va dire qu'on commence bien. 9 barbares d'élite, ouais ça va, oh on est pile à 200 barbares d'élite, ça c'est fort, c'est la puissance, c'est bibi. Alors du coup, deuxième coffre d'argent, peut-être que ça sera un petit peu mieux. 62 d'or les gars, tu vois ça c'est bien ça. Ça fait plaisir, la chance est avec moi. Un lot de 3 mousquetaires c'est pas mal, 9 barbares d'élite encore une fois, bah dis donc ils sont présents les barbares d'élite maintenant. Ah non mais bon, c'est trop fort ça hein. Une nouvelle troupe c'est bon, ils sont présents et tout hein. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce t'as fait, t'as ouvert un coffre d'or au lieu d'ouvrir le coffre... comment ça s'appelle déjà, coffre gratuit et tout là, mais t'es malade. C'est pas grave, on va pas pleurer, donc 164 d'or c'est déjà pas mal. 5 esprits de feu. Oh si, on peut avoir de la méga gargouille là. Ouais mais on en aura jamais assez. 5 esprits de feu c'est plutôt pas mal. 9 géants, ouais, ça par contre c'est pas trop cool. 15 barbares d'élite, bah donc ils sont présents, voilà c'est toujours pareil, hein. Dès qu'il y a une nouvelle troupe c'est présent. 3 golems de glace, alors ça par contre... j'aime pas trop, tu vois, c'est pas trop mon kiff. Donc bon, si tu pouvais te donner de la méga gargouille s'il te plaît. 73 d'or c'est déjà bien. Un chaud de cochon, ouais pourquoi pas, ouais, ça fait plaisir. 9 gobelins à lance, ça fait vraiment plaisir parce que je les aime bien. Et 71 d'or, c'est un peu moins mais c'est déjà bien. Un golem de glace, mais pourquoi pas, oui. Et 9 barbares d'élite, bien entendu, la base. J'aurais presque pu le deviner, dis donc. Ouais, j'aurais pu le deviner comme ça. Alors, moi, je te dis qu'il va y avoir 9 barbares d'élite. Et boum, il y aura eu 9 barbares d'élite. Attention. Oh, 199. Il a frôlé le 200. Il s'est dit, toi, je vais pas te mettre 200, je vais te mettre 199. Donc, 3 squelettes, bah, c'est déjà pas mal. 5 barbares d'élite. Ouais, ça passe. Et 21 gobelins à lance. Oui, si t'as envie, ouais, si tu kiffes. Hein, Et 3 chaussures de cochon, les gars. Ça qui est bon, ça fait 4 chauchards de cochon. Attends, désolé. Ça fait 4 chauchards de cochon en tout. C'est magnifique, magnifique. Alors, sinon, il reste un petit coffre à couronne. Et lui, il va envoyer du lourd, du très très lourd. Non, je plagie que dalle. Donc, 495 d'or. Mm-hmm. T'aurais pu mettre le 500 quand même, tu vois. Le 500, tu vois. Ça aurait été un peu mieux. Mais bon, c'est pas très grave, c'est déjà bien. 2 gemmes, ouais. 5 barbares d'élite, c'est la base, ouais, c'est la base. 17 bombardiers, bah ça va, c'est pas mal. Et 36 esprits de feu. Ouais, bon, les esprits de feu, disons qu'il y a mieux. Hein, voilà. Et puis, 6000 PK. Non, mais 6000 PK. Bah, c'est déjà pas mal. J'aurais préféré, hein, encore une fois, ne serait-ce que du cochon déjà. Oh, ça aurait été magnifique là. Il y aurait eu du cochon là. Oh, ça aurait été magnifique. Mais, tu genre de la Valkyrie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Attends, il y a de la Valkyrie, il y a du. Ah oui, il y a de la sangsue aussi, non je déconne. Non, de la méga gargouille et tout ça, là, c'est... Ah, ça aurait été des troupes vraiment pas mal, mais attends, je viens de penser à un truc, là, je viens de te dire la sangsue. Eh mais attends, t'imagines le kiff? Imagine, il y a une sangsue dans le jeu. Juste comme ça, le kiff et tout. Genre, il y a une sangsue, ça va sur les personnages. Ça, tu vois, ça les rattrape comme ça et tout, du coup, ils sont là. Ils commencent à gueuler et tout. Tiens, mais tu vois, ça serait drôle, ça. Tiens, je te jure, mais... Ça m'énerve, là. Tiens, ils pourraient tellement faire des bons trucs sur ce jeu, là. Mais non, il faut qu'ils s'obstinent à faire des troupes de... C'est des troupes, mais elles sont pourries, tes troupes, là. C'est quoi, il y a des troupes de base. Un petit peu une tornade, comme ça. Ouah, une tornade, génial. Super inventif, hein. Un barbare d'élite, alors qu'on avait déjà les barbares de base. Waouh. Oh, franchement, ça va loin, hein. Non mais attends, golem de glace alors qu'on avait déjà le golem, sorcier de glace alors qu'on a déjà le sorcier. Et il y a un moment, faites des vrais trucs, des trucs marrants, tu vois, des sangsues, des petits rats, imagine le petit rat comme ça et qui se faufile entre les troupes et tout. Bim, tu vois, ça c'est de la balle. Hop là, je sais pas, des trucs qui les rend fous, un sort qui les rend fous, genre... je sais pas, tu vois, mais... Ah, des vrais trucs quoi, genre qu'on s'éclate ce bordel là, on s'en... Regarde, c'est quoi ces troupes là? C'est quoi ces troupes? C'est pourri. Il y a un, deux, trois comme ça qui sortent un peu du lot, j'en sais rien, moi lequel... Je sais pas, lui il est marrant, lui par exemple. Voilà, bon, lui il fait une grosse explosion, c'est délire. Lui, bon, c'est un fou, voilà. Mais
c'est vite fait, quoi. Franchement, c'est quoi ces troupes, quoi. C'est toujours la même chose. Eh, mais il y a un moment... Moi, je t'en donne des imaginations de troupes. Y a pas de soucis, hein. Y a pas de soucis. Genre un pied qui marche et tout, qui commence à foutre des coups de pied dans l'arrière-train des troupes et tout, là, comme ça. T'imagines des gros coups de pied comme ça. Putain. Et tu vois, ça, c'est l'éclate, ça, bordel. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, moi, je suis pas Supercell, hein, je contrôle rien du tout, donc on s'en va les steaks. Oui, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire nos deux petites attaques avec ce deck, et puis après, on ouvrira, comme prévu, le coffre couronne. C'est parti. Alors, juste avant de continuer, petite dédicace au clan Nation Royale. Donc, son hashtag, c'est YU2U28. Oh, bah, dis donc, j'ai du mal. Bon, attendant, moi, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Hey, c'est parti, on est contre Zanenga, qui est niveau 10. Hey, donc alors, petit sourire. Petite bonne chance, mon petit. Et donc, du coup, on va envoyer notre molosse de lave, et on va le défoncer. Tac, tac, tac. Non, mais c'est bon, ça, on commence bien la semaine, n'empêche. Bon, malgré qu'on soit mardi, mais on commence quand même bien la semaine, c'est moi qui t'ai le dit. Attendez, oh, sorcier de glace, ça veut dire. Voilà, et on envoie la méga gargouille, les gars. Attention, on est chaud. Oh, regardez-moi ça, là. Il fait un petit peu de dégâts, histoire de dire, tu vois, c'est tranquillou. Ah, ça, regardez, en plus, il envoie ses... Mais il a envoyé n'importe quoi, on s'en bat les steaks de ce qu'il a envoyé, c'est trop pourri. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Elle meurt pas, et elle meurt même pas, regardez, elle meurt même pas. T'as trop le seum. Mais pourquoi il a trop le seum? Mais t'as vu l'élixir que j'ai? T'as vu l'élixir que j'ai? Le mec, il doit lui rester genre 2-3 élixirs, tu sais. Ah non, mais c'est de la balle, et franchement, mais là on commence trop bien, là. Allez, oh, regardez. Il est en rouge, vous savez ce que c'est ça? C'est Clash Royale Red. Non, n'empêche, moi je les passe, hein. Ouais, j'ai pas, y a pas de possibilité d'acheter, bah, de faire un don, quoi. C'est bizarre, j'ai pas trop bien compris. Mais enfin bon, en attendant, ça c'est YouTube Red. En gros, ça consiste à acheter des gemmes. Donc, tu l'achètes une fois. Et en gros, tu fais un don à une association, je crois que c'est contre le sida, je crois, je suis pas sûr. Et en gros... Et ben après, bah t'as une tour comme ça en fait. Et le pack il coûte 5€ le pack. Et donc du coup t'as cette tour là. Mais ce que je trouve dégueulasse, c'est que cette tour là, tu l'as seulement pendant 6 jours je crois. Un truc dans le genre. Enfin jusqu'à que ça se termine quoi. Mais ça tu l'as pas illimité. Sinon moi je l'aurais acheté direct le pack mon gars. Mais là si c'est pour le garder 5-6 jours. Et attends. Non mais attends, t'es fou toi. Non je veux bien que ce soit pour une assos mais j'ai déjà à peine ce qu'il faut pour me payer mes choses. Donc hein, on va pas commencer à faire les fous. En attendant, c'est pas que vraiment, c'est pas que je veux pas. C'est pour l'instant, ce serait pas possible. Laisse tomber, même pas. Tu cherches à comprendre là-dessus sur le sujet. Moi, je rentre même pas là-dessus. Laisse tomber. Ah oui, les flèches, t'as d'ailleurs. On va utiliser les flèches tranquillou. Pam 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 pam. Là, tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas défendu? Pourquoi t'as pas mis la Velki? Parce que je veux le 3 étoiles, mon pays. Et c'est pas en 30 secondes que j'ai réussi à avoir le 3 étoiles. Hein. Ça, c'est moi qui te le dis. Alors, ça va être très simple, mon gars. Je vais faire ça. Ouais, c'est déjà bien. Voilà, je vais faire ça. Et là, t'as le seum, là. Envoie ta boule de feu, envoie ce que tu veux, je m'en bats les steaks. Ah, tu l'envoies pas. What? T'as vu? Il est même pas mort, le zappy, il lui restait que dalle. Tu sais même pas comment c'est possible. Oh, alors là, mon gars, je vais prendre le 3 étoiles direct. Mais t'as cru quoi, toi? T'as cru que. Oh, t'as cru qu'on était chez mamie, je sais pas quoi, là? Non, mais attends. Espèce de grand malade, bah. Oh, le mec, il se croit tout permis et tout, quoi. Attendez, regardez ce qui va être marrant. Il y a trop le seum. Regardez le cochon en bas, il y a trop le seum et tout. Ah, non, je kiffe, j'adore. Non, j'adore quand ça fait ça, c'est trop marrant. Oui. Donc, on va peut-être pas prendre le 3 étoiles, finalement. Hein. Je pense qu'on va plus prendre le 2 étoiles. Sinon, ça va être impossible, hein. C'est pas possible. On va envoyer de l'archer. de la Valkyrie, tiens. On va de la Valkyrie, de la méga gargouille. Et on va envoyer quoi d'autre? Eh ben je sais pas du coup ce qu'on va pouvoir envoyer. Hein, à part rien du tout. Bon vous savez quoi, on est des fous, on envoie ça direct. On envoie ça. Allez. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, mais il a une boule de feu de toute façon, il va me défoncer. Voilà, qu'est-ce que je te lise. Eh ben ça serait une égalité les gars. Une petite égalité. Regardez. Ah, je kiffe cette tornade. Ah, mais laisse tomber la tornade. J'adore la tornade. Bon, en attendant, bien joué. T'as eu la chance parce que je n'étais pas concentré. J'étais dans mon délire, là, de ta tour à la Aztec, là. En fait, cette tour-là, c'est stratégique, tu vois. Comme ça, au moins, les gens, ils en parlent et tout. Ils se disent, waouh, c'est quoi cette tour? Et pendant ce temps-là,
Pendant ce temps-là, tu te fais défoncer, mon gars. Mais ouais, c'est stratégique. Mais attends, ils ont pensé à tout. Eh ben ouais, c'est stratégique. Ah. Bon, en attendant, je vais vous dire tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Eh, c'est parti, on est contre un niveau 9 qui est un bon, un génial, un... Bah, je sais pas quoi, on s'en bat les steaks, allez, mosse de là, les gars. Ah non, mince, le petit sourire, petite bonne chance, j'ai oublié. Petit sourire, petite bonne chance. Eh, c'est parti, on est chaud. Là, là, on le défonce, là. L'autre, tout à l'heure, là, et il nous a saoulé, hein. Ah non, mais l'autre, il nous a fait faire... Il nous a... il nous a fait faire une égalité, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, on a pété un câble, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer ça. Tranquillou. Et pouf. Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah dis donc. Ouais, c'est parti, on envoie la horde de garous, je veux dire. Et en espérant qu'il ait pas les flèches. Bon, de toute façon, s'il a les flèches, au moins il les tire maintenant. Et juste après, il aura le démon. Alors, du coup. Allez, boule de feu, boum. Il a le seum, il a le seum, il a le seum. Il a le seum, il a le seum, il a le seum. Ah, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Regardez. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, ouais, non, c'est bien. Au moins, on s'est mis à peu près égalité, tu vois. Donc ça, ça fait plaisir, c'est déjà pas mal. Mais la prochaine fois, on va le défoncer, c'est moi qui te le dis. Non, mais attends, l'autre, il a cru, bon, voilà. Non, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça avec moi. C'est pas possible, ça a toujours été pareil. Je les ai tous défoncés, tous, ils sont tous passés. Non, peut-être pas tous, parce que bon, c'est compliqué, mais... Allez, ouais, bon, c'est déjà pas mal. Je suis en train de me faire défoncer, là. Mais ouais, mais aussi, j'ai envoyé tous mes troupes là-bas et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Alors, les archers, là, qui vont... Oh, mais l'archer qui a fait n'importe quoi. Regarde-moi cet archer, là. L'autre, au lieu de tirer sur le canon, là, l'autre, elle s'est dit, tiens, si je restais dans mon coin, j'avance tranquillou. Et au dernier moment, elle s'est dit, oh, mince. Oh, bah, mon autre archer est morte. Bon, on va peut-être se venger. Bon. Bon, et oh, il y a un moment, faut se bouger un petit peu. Bon, il y a moyen quand même de faire un minimum de taf. Eh bah ouais, 1996, s'il y en a un qui est né à cette date-là, dédicace. Bon alors du coup, moi je suis pas né à cette date, hein, donc bon. Du coup, Valkyrie, c'est mieux que rien. On va tenter de mettre une torche. Ouais, une torche, ouais. Une torche volante, comme ça. Mais ça nous éclaire un petit peu et tout. Oh, le kiff. T'imagines? Genre, c'est dans la nuit. Genre, une arène comme ça, dans la nuit. Et tu vois pas forcément beaucoup, tu vois, c'est un peu sombre et tout, tu vois un petit peu, mais pas beaucoup, tu vois. Et du coup, tu pourrais avoir une carte qui coûterait un d'élixir, c'est genre la torche et tout, et du coup, ça te permettrait de mieux voir et tout. Ah non, ça serait le kiff, ça serait... Tu vois, ça fonctionnerait pas pour l'ennemi, mais pour toi, ça fonctionnerait. C'est, tu la mets là où tu veux dans la carte, ça fait une certaine zone et tu défonces tout, quoi. Ah, ça serait le kiff, mon gars. Mais ça serait génial. Ça serait trop génial, ouais. On va garder un peu de défense parce qu'on sait très bien hein, qu'il va essayer de nous défoncer. Comme d'habitude. Oh, les archers, s'il vous plaît, les archers. Oui, les archers qui font du taf. Oh, c'est génial. C'est génial, c'est le kiff total. C'est le kiff total. Et regarde-moi ça, il croit qu'il va réussir à m'avoir. Et regarde le seum au dernier moment. T'as le seum là. C'est pour ça que c'est trop de la balle, la tornade. Tain, au début, je savais pas trop comment l'utiliser, tu vois. La tornade, c'était genre quelque chose de basique pour moi, tu vois. Ouais, c'est une tornade, bon... Ouais, ça vaut pas trop le coup, tout ça. Et puis finalement, plus j'utilise, et plus franchement, mais elle est géniale. À chaque fois, il y a des petits trucs comme ça. Rien que le kiff déjà, tu vois, t'as la troupe qui essaye de taper sur la tour, tu vois. T'as la troupe, elle est là, elle essaye de taper, mais elle y arrive pas parce que ça l'est retenue comme ça, tu vois. Oh, t'as, c'est génial, quoi. J'adore, je kiffe. Bon, en attendant... En attendant, je pense qu'on va dire tout de suite pour le coffre à couronne. Alors juste, imaginez comme ça un chien de l'enfer. Genre le chien, il est comme ça, tu vois. Et il a trois têtes et tout. Il arrive comme ça, il bouffe tout le monde. Bon, ça serait peut-être un peu abusé. Mais bon, pourquoi pas. Bon, en attendant, oui, donc je vous ai dit, on va s'ouvrir le coffre à couronne. C'est parti. Alors juste avant d'ouvrir le coffre à couronne, j'ai un petit quelque chose à vous dire quand même. Alors Audacity a bugué. Pour la deuxième fois, donc il avait déjà bugué une fois avant, et puis là il a rebugué. Donc en fait, le problème, c'est que ça m'a énervé, enfin ça m'a dégoûté. Du coup, bah j'ai essayé de faire certaines choses, de réinstaller Audacity, tout ça, donc je sais pas s'il fonctionne mieux ou pas. Mais là, du coup, bah je vais ouvrir le coffre à couronne, donc j'ai mis du temps à faire ça, parce que voilà, ça m'a saoulé, du coup je suis allé parti sur Supernatural, et bon, bah, vous connaissez la suite à mon avis, bon... Un petit indice, hein, regardez. Après, je dis ça, je dis rien, hein. Pour ceux qui savent, tu vois. Enfin, bon. Voilà. Désolé. Pas fait exprès. J'ai tapé dans le micro, tout ça. Voilà. En attendant, on va ouvrir au moins le coffre gratuit. Pas le coffre d'argent, parce que j'en ai besoin. Quoique.
Si, allez, on est des fous, on va ouvrir le coffre gratuit. Enfin, d'argent, je veux dire. Oh, Valkyrie, les gars, ça fait plaisir. 73 d'or. Valkyrie, ça fait plaisir. 9 barbares d'élite, c'est déjà pas mal. Et attention. Ah non, mince. Bon, hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. En attendant, on a quand même des bons coffres. 66 d'or. Oh, le diable est là, les gars. Le diable est là. Il manque plus qu'un seul 6 et on est dans là. Tu m'as compris. Alors, un sorcier, dommage, j'aurais préféré. Méga gargouille. Mais c'est pas très grave. 9 flèches, oh ça faisait longtemps, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. En attendant, il nous reste le coffre à couronne, et attention, attention. 465 d'or, c'est pas hyper génial, mais c'est déjà vraiment pas mal. 3 gemmes, ouais. 3 cabanes de gobelins, bah peut-être pas encore ça. 22 barbares d'élite, ouais. Ah, je m'attendais pas à ça, bon c'est pas très grave. Bon, 4 lots de 3 mousquetaires, c'est déjà pas mal, et... Quoi? Ah ouais, alors là, je m'attendais encore moins à ça. Hein. Moi, quand je voyais un petit peu ce que j'ai eu genre... j'ai eu les rares et tout, machin. Et moi, je me suis dit, tiens, ça sent un petit peu la légendaire, tu vois. Bon, j'étais un petit peu optimiste, hein, mais ça sent un peu la légendaire, tu vois. Et après, je me suis dit, ah bah non, finalement non. Bon, il y aura au moins une épique. Mais pas du tout, même pas, regarde, des barbares, carrément, ah voilà. Bon, c'est pas très grave, on n'a pas eu grand-chose, mais on a eu quand même une petite Valkyrie, tout à l'heure on a eu des cochons, ça, si je me rappelle bien, on a eu des cochons, ça fait plaisir, voilà, tout se passe très bien de toute façon. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, moi, il faut toujours qu'il y ait des petits problèmes comme ça, tu sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi. Non, mais désolé, je suis un petit peu euphorique. Non, allez, c'est bon, on arrête, arrête tes conneries pour en prendre pour un fou. Ah, tu m'étonnes que les gens ils disent que je suis con. Bon, alors. Ah, y'a rien qu'à avoir l'attaque du jour d'hier là. Putain, mais oh là, j'ai fait mes quais, mes fermes tailles. Mais tais-toi, arrête de dire de la merde, mon gars. Le pire en plus, c'est que ça a bugué. Ça a bugué. Et en fait, après, tu sais, je déconne moi. Tu sais, je dis toujours. Enfin, tu sais, je déconne toujours, tu sais. Et je disais que le deck il est tout pourri, machin, t'sais. Et puis après, moi, j'ai dû rajouter au montage que je déconnais tout ça, parce que bon, sinon, laisse tomber. Mais ouais, non, je déconnais, hein, faut pas le prendre mal et tout. Enfin bon, non, mais c'est vrai que vos decks aussi sont pas non plus top, hein. Ah, vos decks, c'est pas des lumières, hein. Mais bon, ils sont pas non plus nuls, quoi. Moi, je suis là pour tester les decks, je suis pas là pour critiquer. Non, c'était pour déconner, je trouvais ça marrant. J'étais dans mon délire, tout ça. Bon, en attendant, moi, ce que je vais faire... Eh bien, c'est que je vais aussi sur ce, parce que bah il faut bien que je vous laisse sur ce un jour ou l'autre, non? Allez, moi je vous laisse sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, on a encore une bonne semaine à finir. Allez, ciao! C'est quoi que je disais? Ah oui, et n'oubliez pas, restez cool!